Hi Mina, c'est Kyu-chan, et bien voilà, je retrouve donc pour la suite de Legend of Dragoon. Donc la dernière fois, nous avions vaincu les Nu, qui avaient volé la dague de lune, puis on est parti à sa poursuite sur un bateau, la Reine Fury, et en chemin, ben, on a rencontré un vaisseau fantôme qui nous a percuté de plein fouet, et Meru et Shanna voulaient absolument explorer, donc on part en exploration. Alors j'ai changé mon équipe, j'ai pris HL et Kongol dans mon équipe, bah parce que voilà, parce que voilà. Donc on est parti pour ce bateau fantôme qui va être chiant sur le clairement, je te dis ça va être chiant. Ouais, il est encore à double point, mais c'est parce que c'est parce qu'il n'a pas fini de l'évoluer. Voilà, simplement. C'est parfois chiant que je puisse pas changer d'arc. Mais bon, c'est le chef de groupe, donc malheureusement, lui, je dois le garder obligatoirement dans l'équipe. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est chiant. Quand on a besoin d'évoluer des personnes en particulier, on aimerait bien les avoir tous dans l'équipe, mais bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on gagne comme expérience? Est-ce qu'ils sont intéressants à combattre ou pas? Ouais, bof, pas tant que ça. De toute façon, il faudra que je farme. Alors. Donc. Ok, donc là. Ah oui! Si vous voulez éviter les combats, il faut éviter de rentrer en contact avec les flammes. Voilà. Chaque fois que vous entrez en contact avec une flamme, ça déclenche un combat. Et un combat qu'on ne peut pas fuir, il me semble. Ils ont une dent contre Kongol, mais bon, tant que c'est Kongol. Ah, si, on peut le fuir, mais bon. Allez. Voilà. Ah, pas mort, ok. Voilà, là t'es mort. Alors, donc, évidemment la porte par laquelle le fantôme est passé est fermée, hein, ça sert à rien de s'acharner sur la porte. On va plutôt aller à celle d'à côté. Alors, alors, comme je dis, si vous voulez éviter les combats, évitez juste de toucher les flammes. Non, c'est pas là qu'il fallait aller, je crois. Non. Coffre. Ok. Et on passe par celle-là. Voilà, là il y a quelque chose. Oh, non, c'est 0, je crois. 4. 0. 8. Quand la personne qui tente de percer l'énigme des nombres soit maudite. Donc 0, 4, 0, 4, 8. Non, 0, 4, 0, 8. Ok. Attendez. Ah ok, je sais.
0408. Donc, je vais quand même essayer de passer aux avant. Voilà, sans faire de combat. Ah merde, je l'ai touché. Tant pis. Je l'ai touché. Que voulez-vous? Voilà. Bon. Alors, on remonte par là. Je crois que c'est par là. C'est bon. Ouais, c'est ça. Ouvrez, commandant! Où êtes-vous? Alors, passer ici sans toucher une seule flamme, ça va être compliqué, j'ai l'impression. Ah voilà, la preuve. Bon. Heureusement, ça va assez rapidement à faire comme monstre. Double point. Éliminer vite fait puisqu'il a fait une charge d'esprit. Voilà. Raté. Ah mais c'est un œil en fait, purée, j'ai besoin de remarquer, c'est un œil dans une flamme. Voilà. Voilà, c'est bon, on est passé. Je lis capitaine du commande. Cabine du capitaine. Ça ne s'ouvre pas. Bah. Ok. Donc c'est pas ça qui. Ok. Donc il fallait juste voir ça apparemment. J'aimerais passer sans faire de combat, mais là ça va être limite impossible. Hein. C'est vrai que ce navire ce navire fantôme, c'est compliqué. C'est une zone qui est assez chiante à faire, assez compliquée. Hop. Voilà.
Voilà. Alors je comprends pas pourquoi pour double point ils ont fait 39 plus 6, pourquoi pas 40 plus 5 pour faire 45. Cherchons pas à comprendre la répartition des, des points. Allez hop. À l'aide, le pourri, il... Je ne veux pas mourir, à l'aide. 1. Nous n'y arriverons pas, il va nous tuer. Je ne veux pas mourir, à l'aide. Qu'est-ce qu'il raconte? Techniquement, ils sont déjà morts. Ok. Bon, toi, t'es gentil, tu dégages, tu me laisses descendre. Voilà. Ah, la porte est ouverte. Ok. Bon, bah, hop. Bah on y va. Voilà. Alors. Je me transforme pas en dragon parce que j'en aurai besoin pour plus tard. Donc là, en même temps, ces monstres-là ne sont pas extrêmement compliqués, donc j'ai pas besoin de mes dragons pour ça. Et comme je dis, j'en aurai besoin pour plus tard, de mes dragons. Et hop, on l'achève. Voilà. On en est où dans le combo d'HS? Je crois qu'il est quasiment au son dernier level. Ok. C'était juste, en effet. Bon, attendez, je vais juste vérifier un truc rapidement. Toi, danse mortelle est au maximum, ok. C'est pour ça que c'est chiant de ne pas pouvoir changer d'art, parce que lui, sa danse mortelle est au maximum, donc... Ok, encore cette fois, et je pourrais lui remettre invocation divine, ok. Merde! Excusez-moi. Danse mortelle.
Sérieusement ? Fallait le dire si tu voulais mourir de la hache de Kongol, hein. J'aurais fait tout de suite, hein. Hop, on traverse vite, faudra qu'elle se reforme les flammes. Le coffre a été refermé, vous le voyez. Voilà. Il va ramener encore une fois les squelettes. Ah! J'avais pas fait gaffe qu'il était resté. Double point. Hey, fais ça si tu veux. Tu vas quand même mourir. Même si t'es déjà mort, techniquement. Voilà, il n'y a plus qu'à s'attaquer aux fantômes. Merde, raté. Merde, trop tôt. Voilà. Ok, lui il sauve encore, il s'est enfui. Oui, merci, je l'ai vu. Je vais soigner HL, ce qui a quand même pris pas mal de dégâts. Non. Il n'était pas ici? Ah si, il y a un coffre là, voilà. Un coffre qui n'était pas là avant. Chercher à dire quelque chose. Nous l'avons acculé. Ah. Voilà. Toujours pas utiliser mes dragoons pour ce combat. Double point. J'ai pas besoin de mes dragoons pour ce combat.
Poursuit. Raté. Danse mortelle. Merde, trop tôt. Putain, beaucoup trop tôt. Je sais pas pourquoi j'appuie si tôt en plus. Et de 1. Allez. Ah non, pas ça. Je suis amoureux, merde. Voilà, je suis plus amoureux. Voilà, et de 2, plus qu'à buter le dernier maintenant. D'ailleurs, il est mort. Voilà. Ok. Ça, c'était pas trop compliqué. Ah. Déjà, ça faisait me demander. Venez à la cabine du commandant. Ok, donc là on sait où on doit aller maintenant. Bon, et finalement le code, je sais pas à quoi il sert. 0408, on retient toujours. Bon, là on passe vite. Voilà, hop. HL, il faudrait peut-être que je regarde, peut-être qu'il a atteint son quota maintenant. Voilà, on revient à invocation divine. Alors, toi, tu pars par là. Voilà. Et donc, bien sûr, ici, il y a les fantômes qui vont m'emmerder. Hop, de toute façon, passer là sans toucher une seule flamme, c'est impossible. Hein. Si vous y arrivez, vous me dites comment vous faites, mais voilà. Voilà, hop. J'ai pas envie. J'ai pas cette combat comme ça pour
ici. Alors, la cabine du commandant. Bon sang, un portrait de belle femme, on dirait une reine. Oh, la gueule de Albert et de Rose. Ça s'est fermé tout seul. Aidez-moi, je vous en supplie. Il a tué l'équipage, la nourrice, les chevaliers, mais aussi moi et la princesse, une nouvelle-née. C'est lui, le monstre du mal. Comment, le monstre du mal a fait ça aussi? Nous n'avons pas été capables de protéger la princesse et nous n'en finissons pas de mourir. Mettez un terme à cette terreur, que l'âme des chevaliers puisse enfin trouver le repos. Ah! Nul ne peut mourir totalement. Il tue sans raison. Ah, Rose? Tu sais un truc qu'on ignore? 100 gold. 200 gold. La clé du vaisseau fantôme. Ah! Et je sais quelle porte elle ouvre, puisqu'il n'y a qu'une seule porte qu'on n'a pas encore visitée. Ah, j'aurais pu passer! Merde! Qu'est-ce que je suis précipité, mais j'aurais pu passer. Non. Malin! Ah, quand même. Ok. Encore une cinématique, enfin, encore une scène. Bonjour. Nous ne vous remettrons pas la princesse Fluvia. Rose! Nous la défendrons au péril de notre vie. Tous les 108 ans, quand la lune perpétuelle se pare de reflets rouges, son enfant se manifeste pour inonder le monde de bonheur. Mais en réalité, c'est le rejeton du chaos et de la destruction qui est arrivé, le monstre du mal. Nous assistons à une tragédie du temps jadis. C'est affreux. Pourquoi a-t-il fait cela? Le monstre du mal, combien de gens devra-t-il tuer avant de s'estimer satisfait? Arrête! Pardon, qu'est-ce qui m'arrive? Continuons. Tu désires savoir, n'est-ce pas? Alors elle ouvre la porte que je viens de passer, tout simplement, la clé que j'ai récupérée. Sauf que... ah oui, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, un coffre. Ah! Donc il n'y a que 3 numéros sur 4 qui sont bons en fait. 048? Non.
0,40? Non plus. Ouais, va te faire foutre. Passons, je propose, parce qu'en fait je sais que le combat qui va m'attendre va être un petit peu chiant, et je sais qu'après ce combat, il va y avoir une cinématique qui sera un petit peu longue, donc je propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. Moi en plus ça me permettra de faire un peu de farm pour les combos de mes personnages, puisque là je pourrais farmer les monstres sans problème, puisque je pourrais les trouver très facilement, il suffit que je touche les flammes pour les avoir. Donc je me repose, je fais un point de sauvegarde. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé, me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître, découvrez le jeu vous-même aussi. Et moi je vous dis, ciao tout le monde! Thank you.